Salut tout le monde, c'est Pierre de Gamer64. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un event. Je vais vous montrer comment avoir je sais pas comment on dit en fait. Je sais pas comment on le dit. Mais c'est un truc où vous mettez autour de... autour comme ça et il y a au-dessus des dynamites accrochées. Alors peut-être vous l'avez sûrement vu dans la miniature ce que c'est. Alors pour faire ça, vous devez aller dans les missions. Vous allez aller dans le premier. Vous allez jouer solo si vous êtes tout seul, mais sinon vous pouvez faire à plusieurs. Alors, il faut attendre un petit peu pour que ça charge. Voilà. Moi, je vais me mettre en speed. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous devez ici tuer tout ça, faire tout, tuer tous les trucs, tous les méchants. Et après, je vais vous montrer ce qu'il faut faire à un endroit exactement. Il ne faut pas finir la mission. Pas besoin, en fait, vous pouvez, mais ça sert pas besoin si vous voulez. Vous venez juste pour avoir le truc du event. Pas besoin de tuer le boss et finir la mission. Alors, pour ça, vous devez... Voilà, vous allez les tuer, ceux-là. Il en reste encore un. Tac, je vais le tuer. Voilà, on va faire ça, que ça s'ouvre tous les trucs et tout. Et puis voilà, il est encore. Voilà, ça vous pouvez passer comme ça, vous pouvez passer à côté sans. Voilà. Alors, vous avez tué tout ça. Je vais le tuer, voilà. Vous allez faire ça, vous allez passer par là. Là, vous pouvez, je crois que là, non, pas encore. Là, il a encore une cinématique et tout. Moi je vais me mettre en... Là je vais me mettre en ça, voilà. Après vous devez utiliser le pouvoir pour casser ça. Et après pouvoir passer, je vais me mettre en speed pour que ça soit plus rapide. Ça, vous pouvez les laisser, vous pouvez passer. Tous les monstres ici, voilà. Et c'est là en fait qu'il va se passer un peu tout. Là il y aura la cinématique encore. Lui je vais le tuer. Pour ça vous devez faire un truc. Alors vous devez faire ça 5 fois. Et quand vous faites les 5 fois, vous devez venir ici. Et ici, en principe, il y a un truc caché qu'il faut le prendre. Alors ça, vous devez le prendre comme ça. Vous pouvez quitter le jeu, revenir pour reprendre encore le truc. Comme ça, vous pouvez faire beaucoup de fois. Pas besoin de faire tout le truc et faire toutes les missions. Et vous devez prendre le dernier truc. Moi, je vais prendre le dernier. Ici, c'est écrit 4 sur 5. Et quand je vais le prendre, je recevrai... attendre un petit peu pour que ça cherche, que ça fait que vous l'avez, voilà. Et j'ai eu un badge, voilà, pour que j'ai gagné le truc ça s'appelle un dynamo bandoleur, ça s'appelle comme ça en anglais. Et après vous pouvez laisser quand vous avez fini. En fait, c'est ce truc là que vous allez gagner.
Après, vous allez dans. Je vais aller dans Avatar. Et d'ailleurs, j'ai pas fait l'autre. J'ai pas enlevé le truc d'avant. Et je vais mettre le dynamo bandoleur. Il faut que ça sorte. Que c'est fait. Voilà. Il faut que ça charge parce que c'est un petit peu long. Pas très rapide parce que en fait il y a des moments en fait Roblox fait beaucoup de mises à jour des trucs comme ça et des fois ça fait le truc quand même plutôt plutôt là long à charger. Vous pouvez pendant ce temps là être là bas alors moi je vais aller dans jailbreak pour vous montrer le truc. Voilà, il faut que j'y vais. Ok, je vais mettre prisonnier. Voilà, vous aurez ce truc là, ce qui est plutôt cool comme truc. Voilà, ça vous aurez ça. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, partager les vidéos et à vous abonner. Bye tout le monde!